Bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le 35e épisode sur Breath of Fire Dragon Quarter. Donc dans l'épisode précédent, on a eu pas mal de petits combats et on s'est aperçu qu'il y a des petits monstres verts, des zombies verts qui pop régulièrement parce qu'il faut tuer je sais plus quel monstre, enfin le monstre hôte. Et en fait, ces monstres-là nous donnent de la paix. Je m'en suis aperçu en les combattant, donc ça peut être assez cool de les farmer, de les faire repopper à chaque fois. Là, il faut que je descende apparemment. Alors, depuis plusieurs épisodes, on avait tendance à remonter. Est-ce qu'il y a une carte? Je sais plus si, comment on fait pour avoir la carte. Je sais plus, je pensais qu'on pouvait remonter, mais c'est pas grave, hein, on va continuer la visite. Voilà, c'est ces petits monstres-là. Quand on les tue en individuel, apparemment, si je dis pas de bêtises, ils nous lâchent des points de AP. Et c'est putain de boulet. Non, Nina va finir son action. Hop, Ryu il va se mettre là, il va se maintenir un peu en retrait. Et comme je suis un gros boulet avec Lynn, je ne sais pas pourquoi j'ai fini mon tour. Vous voyez, ils nous font rater quand même pas mal d'attaques. Bon bah, j'ai réussi 3 tirs sur 5, sur 8. Donc il draine notre vie pour se soigner. Ça va, il a raté. Ça, Nina va finir son tour. Et Ryu, il va découper Ryu. Je vais essayer de. Voilà, il laisse une bourse. Et en théorie, c'est des points d'AP. Enfin, c'est de l'AP. Ah non, Rock Irel, ça se revend 2000 zénith. Donc c'est cool. Je sais pas pour où il faut que j'aille, donc on va regarder. 4000 points d'XP de groupe, c'est assez cool aussi à prendre. Donc là, je vais essayer de pas faire le con comme j'ai pu le faire sur le combat d'avant. Ce serait bien que tu réussisses quelques tirs quand même, Lino. Un sur 8, c'est une bonne moyenne. Hop. Et donc on peut geler aussi ces trucs-là pour les refaire plus facilement des dégâts. J'aimerais bien qu'il me donne de la paix pour pouvoir faire plus d'attaques. Surtout avec Nina par exemple ou Lynn. Une bombe, ça va pas me servir à grand-chose. Alors, on va regarder, on va étudier un peu la zone. J'ai trois portes. Je vais ouvrir celle-là pour commencer. Bon, le couloir continue. Donc, on va faire la première porte tout au bout. On va faire ça dans l'ordre. Oh, j'avais pas fait attention à la petite bestiole qui rampait. Le pétrophage. Aïe, ça va, il fait pas trop de dommages. Par contre, il est plus rapide que moi. Hop, on le fait cramer. Et on n'en parle plus. C'était du rapide. Oh, j'avais pas fait attention encore.
Extra tour pour Pétrophage, il s'en va, et puis une espèce de petite souris. Un deuxième Pétrophage, lui. Alors, extra tour, il s'en va, et puis là, il se rapproche. Un petit peu bête le truc. La petite souris, elle va se rapprocher. Hop, ça c'est fait. Puis on va faire un petit. Bah, je peux pas faire la balle secouée juste devant moi. Tant pis. Je peux pas passer. Bon bah si je peux pas passer alors ça va être rapide. Bon, Lynn devra le tuer je pense. Impeccable. Toujours un peu d'XP de groupe, c'est toujours bon à prendre. Par contre, il faut que je fasse attention à les 5000 ennemis aussi. Hop, pour une fois, c'est moi qui ai la priorité. Voilà, voilà. Ce qui est dommage, c'est que Lynn a raté un tir. Bon, ça l'a quand même tué. Hop. Alors là, il y a des chemins de partout quand même. Elle était un petit peu loin, je pense. Ouais. Bien joué, Lynn. Si tu rates tes attaques, ça va pas le faire. Hop, 10 points de dommage, ça va. Et Nina, elle va s'amuser à le faire brûler. C'est pas mal. Il y a des belles flammes. De l'huile. Mais de l'huile. Donc là on arrive sur l'autre porte qu'il y avait je pense tout à l'heure. Sur le couloir, voilà, ok. Donc on va aller tout au bout pour voir où ça mène, tout simplement. Hop, pas de monstre, non. Donc là il y a une échelle. Alors, on va monter. J'aurais peut-être dû pu ou dû visiter le couloir. Mais... Hop, là, il y a une porte. On va juste vérifier qu'au bout. Là, il y a plein de. Plein de boules vertes. Ok, bien joué Lynn. Ok, bien joué Lynn. Ça c'est pas mal, c'est mieux Lynn. Hop, Nina, elle va finir son action. Ryu, il va aller dans le tas. Un de moins. Au moins une. Ryu, c'est pas sérieux ça. Ok. Ah, pas mal. Mais sachant qu'il va se drainer, ça va servir à rien. Ah non.
Par contre, j'ai pas réussi à lui voler son objet. Ça, c'est bien dommage. Nina va finir son action. Non, c'est pas toi que je voulais. C'est pas grave. Ok. Maintenant, c'est à toi, Lynn. Tu vas peut-être réussir à le tuer. Mais il est là. Tu peux me dire qu'il est pas dans ta cible. Il est juste en face de toi. Ok. Bien joué, Lynn. Ça, c'est du pas mal. Je gèle pas parce que j'ai pas envie qu'il me donne un objet en fait. Je suis pas sûr que c'est parce que je le gèle que ça me donne cet objet, mais. Au moins ça le blesse. Bon, voilà. J'ai réussi à me débarrasser de tous les petits monstres. Voilà, ils m'ont laissé des AP+. Et ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez jeter? L'huile, ça me sert à quoi? On va lâcher la bombe. Et on va acheter l'huile, ça me sert à rien. Par contre, les AP+, ça me sert. Avec deux, bon bah c'est déjà pas mal. Hop, il m'en manque un pour Nina pour qu'elle ait 90 en AP. Hop, on va prendre la petite porte. Ah! On a l'air d'être sorti des. Bon bah. On va aller vers la porte jaune. Ah, il y a des monstres là-dedans. C'est ça le quartier général de Trinity. Où est tout le monde? Eh bien, on doit maintenir un certain niveau de secret. Il y a un tag sur le mur. Par contre, Nina, elle est en train de se tomber. Pauvre Nina. Ils sont de temps à réagir. Nina! Quelqu'un, à l'aide! En réanimation, la petite Nina. Nina. Elle vivra. Pour le moment, du moins. Tu avais préparé tout ça? Je suis impressionné. Merci. Elle fait un petit sourire, Lynn. Laissons Nina se reposer un peu. Je resterai avec elle, Ryu. Tu peux te promener.
Promenons-nous dans les bois. Je surveille Arina. Pourquoi tu vas pas te promener, te relaxer? Ok, bon, bah, on va se promener. Tac, tac, tac. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas d'où je viens. Bonjour, toi. On peut pas laisser un ranger sortir. Seul, désolé de te le dire. Tu devras rester tranquillement dans la base. Donc là, il y a un télécordeur, mais avant, j'ai envie de me balader dans la base, faire ma petite visite. Ah, ça m'intéresse. Le client est roi ici. Non, je veux pas. D'abord, je vais identifier. Je vais mettre ça là. Comme elles sont pas avec moi, je peux pas. Je ne sais pas ce que ça fait. Qu'est-ce que tu as de bien à acheter? Multimédic, j'en ai utilisé quelques-uns, mais par contre j'en ai encore pas mal, donc je ne vais pas en racheter. Fortifiant non plus, donc non. Je n'achète rien. Comment ça va cette fille? Lynn revient et puis il y a tout ce brouhaha. J'ai flippé. J'aime bien la musique, elle est assez apaisante. Bon, il n'y a rien. Hop, par contre là, il y a une porte. Ça, c'est le bonhomme qui voulait kidnapper Nina, le gros là avec son œil. J'ai volé cet ouvrier Janik ici et l'ai reconstruit en modèle à cheval. Je peux te parler à toi? Apparemment, non. Toum, 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 toum. C'est triste de voir Nina très affaiblie. Donc là. J'ai visité, j'étais en face là, lui il m'a dit il peut pas me laisser sortir, j'ai le télécordeur qui est là, bon bah il me reste que cette porte là alors. Alors là il y a des bonhommes, là il y a un autre télécordeur. Là, il y a une porte. Il y a des lits, des lits, des lits, des lits. Là, je ne peux pas passer. Tout, 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 tout. Je ne peux pas sortir. Désolé, mais on est en pleine réunion. Tu peux revenir plus tard? Ouais. C'est quoi le plan? Je peux pas en parler devant un ranger. Donc en bref, envahir, attaquer, voler, partir, c'est tout. Tant que vous les rangers restez en dehors, ce sera du gâteau. Je suis plus un ranger, moi. Là, je ne peux pas rentrer. Et là... Bon bah apparemment il y a une cinématique qui s'active. Ah Ryu. Ah lui il me dit quelque chose, on l'a vu il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je suis... Enfin tu le sais déjà probablement non? Mebet Inkar, leader de l'organisation rebelle Trinity. 1 sur 4, on va dire, un quart. Un homme recherché. Comme toi, je me trompe?
Pardonne-moi. Je ne voulais pas t'insulter. En fait, tu t'es battu bravement. Grâce à toi, Nina est maintenant en sécurité avec nous. Elle est en sécurité qu'avec Ryu, Nina. Comme tu le sais, elle ne peut pas vivre longtemps dans cette terre polluée. Mais nous avons des médicaments ici qui pourront l'aider. Mais est-ce qu'elle s'en sortira si je l'emmène à l'extérieur, là où se trouve le ciel? Il est mignon. S'il existe réellement un ciel, risquerais-tu sa vie pour une fable? La trimballer jusque là-bas, c'est comme la faire marcher sur des débris de verre pilés. Bah, les fakirs, ils marchent dessus, les débris de verre pilés, et puis ils sont pas mal. Ta décision, Ryu. Bien sûr, tu serais le bienvenu si tu choisissais de rester avec nous et de la protéger. Il est tout triste. D'après le rapport de Lynn, t'es un faible dé bien que tu sois un ranger. Qu'est-ce que mes bêtes pourraient bien te vouloir? Je pense que t'es pas besoin de longtemps pour y réfléchir, mais prends ton temps. J'attends avec impatience une réponse positive. Bon, moi, je veux juste protéger Nina, c'est tout ce qui m'importe. Tout, 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 tout. T'as pas l'air en forme. Tu veux t'allonger sur le lit? Ouais, j'ai besoin d'un peu de repos. De toute façon, Lynn avait dit de me reposer, donc. Tiens, voilà Lynn en parlant du loup. On en voit le bout de la queue. Ça va pas? T'as l'air triste. Est-ce que je vais mourir? Bah, on meurt tous à la fin. Non. Tu veux parler de ce pouvoir, c'est ça? Chaque fois que je l'utilise, je sens qu'il consomme, engloutit un peu plus ma vie. Pourquoi moi? Pourquoi je l'ai? C'est comme si j'étais censé utiliser ma vie pour faire quelque chose, mais quoi? Pour détruire? Si c'est le cas, alors. Nina! Pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer Nina? Et donc j'aurais peut-être dû sauvegarder avant, l'espèce de blaireau de boulet de Rodolphe, de Ryu. Nina! Bon bah un petit combat. Condition de victoire, éliminer tous les ennemis tout en protégeant Nina. Si Nina est mis KO, le jeu prend fin. Protège Nina des attaques de Trinity et tue tous les soldats de Trinity. Ok. Donc Nina ne peut pas attaquer. Donc on va la faire s'échapper le plus loin possible. On va se mettre là juste avec elle. Par contre, Lynn, c'est chiant, elle n'a pas beaucoup de déplacements. Bon, ça, il me fait pas trop de dommages. Hop, recule-toi, Nina. Va avec Lynn.
On va finir l'action. Hop, je vais soigner Nina. On va utiliser un petit kit d'aide sur elle. Hein. Deuxième, voilà. Toi, t'es mort, mon gars. Et on va finir l'action. Là, par contre, tu fais des dommages à Nina. Cet enfant est la preuve des actes malveillants du gouvernement. Je ne te laisserai pas la prendre. T'es qui, toi? Objet, kit d'aide sur Nina. Un petit kit d'aide sur Lynn. Et ah voilà, Nina va faire de l'explo-feu. Et puis elle va finir son action. On va poursuivre le combat. Hop. Le garde va arriver. Ok. Boursouffler. Mouvement max. Ok. Là, il y a un autre garde. Pas grave, l'épisode va être un petit peu plus long que d'habitude, les amis. Je suis désolé, comme j'ai pas fait. Nina, je vais la mettre juste derrière Lynn et puis Ryu. Après ce combat, il faudra que je pense à sauvegarder sur un télécordeur. Lui, il est assez loin et il arrive à me toucher. C'est cool. T'as pas choisi le bon adversaire, ma grande. Mon pourcentage est à 22-22, précisément. Hop, finir action, il va se déplacer ou il va attaquer Nina à distance. On sent bien qu'il se rapproche, non, il s'éloigne, non, il se rapproche. Oh, il va falloir que je me soigne. Objet, Medikit sur Ryu.
Puis toi, on va te faire des explos-feux. On va enchaîner les attaques. J'aurais peut-être dû faire un épisode, voilà, un peu plus court et puis c'est pas grave. Hop. Bon, il finira pas le tour en tout cas, je pense. Je pense que Lynn va l'achever. Ah, pas sûr, il va peut-être lui rester un petit peu de points de vie. Non, ça y est, c'est fini. Ils sont pas cool de s'en prendre à Nina quand elle est quand il manque de la vie. Hop. Quoi? C'est vrai. Ah, la porte s'ouvre. Et c'est le grand chef qui arrive. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Pourquoi tu lui fais mal? Est-ce qu'il va se transformer, petit Ryu? À moins que tu ne pensais à kidnapper et le mettre sur le dos des rangers. Pour mettre Ryu de notre côté. C'est ce que tu avais imaginé. Il reste sans voix, le bonhomme. Si ça a apporté la justice, alors oui. Tu as donné ça, mes bêtes. C'est vrai, la justice doit être faite. Mais pas comme ça. On s'en va. Vers le ciel. Elle est contente, Nina. Au moins, elle a pu se reposer, se soigner un petit peu. Ryu. Tiens, une clé. Prends ça. C'est une clé, Ryu. Si tu veux vraiment voir le ciel, tu auras besoin de trois autres clés identiques. Je crois que tu peux réussir. Pars, il ne reste plus beaucoup de temps, Nina. Obtenu clé M. Ok, bon, bah, j'ai une clé en plus. Enfin, j'ai une clé. Cet ascenseur mène à Lifeline. Pas avant que les autres n'en reviennent.
Je suis curieux de voir quelle voie tu choisis de prendre et où elle te mènera. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière, les amis. Aller jusqu'à un télécordeur et arrêter l'épisode ici. Hop, non, enfin oui, je voulais, on va revendre vite fait, enfin identifier et puis revendre. Ah, habit d'esclave niveau 6, ça c'est cool pour Nina. Coffre objet. Mince, coffre arme qu'il me faut. Hop, c'était combi virus. Plus en def, plus en. Hop, et c'était Link qui avait des trucs aussi. Antivirus 4. Bon, ça n'a pas d'impact, donc on va laisser ça comme ça. On va équiper à Nina sa nouvelle combinaison. Ah, plus 8 en mouvement, oui, je prends quand même. Et on va sauvegarder. Et la suite sera au prochain épisode, les amis. Donc cet épisode aura été un tout petit peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu, si vous avez des choses à dire. Et à vous abonner si vous voulez poursuivre l'aventure, sachant que là on doit approcher de la fin quand même, vu qu'il nous reste 3 clés à trouver pour sortir. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt, à bientôt, ciao !